bouge un peu. Hey. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Chers amis de la presse, veuillez regagner vos places respectives, s'il vous plaît. Chers amis de la presse, s'il vous plaît. Chers amis de la presse, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous ne voyez pas. Hey, mon ami, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, distingués membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Affaires sexuelles et Transports, Mesdames et Messieurs membres du CNRD, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, chers membres de la délégation du Fonds Cohésion, distingués invités, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les grands bâtisseurs se reconnaissent à l'œuvre. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère des plus symboliques. La pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto sur la T2 induit des effets socio-économiques car la zone qui l'accueille avait tant soif d'infrastructures publiques. Bambeto, longtemps ostracisé, sort des ténèbres pour s'affirmer comme une zone qui respire l'air de la République. Excellence, Monsieur le Président, vous donnez une alternative à la mort, au chaos qui a longtemps été le quotidien de nombreuses familles ici. Et cela démontre que vous donnez du prix à la vie de votre peuple. Fini donc le temps de l'indécision et de la paralysie gouvernementale, l'heure est à l'action sous le label CNRD. Avec l'ouvrage qui verra prochainement jour ici, le CNRD, sous votre clairvoyante direction, renvoie un signal fort, celui de signifier que ce axe, longtemps logé à tort à l'enseigne du mal, est un arbre de réconciliation et de démocratie où les édifices publics ont droit de citer. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, l'échangeur dont vous présentez de la première pierre vous érige pour l'histoire au rang de ceux qui donnent la primeur à cette zone souvent martyrisée. Ce faisant, vous la considérez donc désormais comme le catalyseur d'une démocratie qui sort de sa torpeur. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, qu'il vous plaise que je vous donne le déroulé de cette cérémonie. Il est donc prévu une petite prestation artistique, Boris Lassila. Ensuite, suivra le discours de M. le maire de la commune de Ratoma, l'allocution de l'entreprise Sino Hydro, l'allocution du représentant du Fonds Cohésion, l'allocution de M. le ministre des Affaires sexuelles et des Transports, les bénédictions des imams de Bambeto, et ensuite la cérémonie de pose de la première pierre. Qui sera donc par vous, Excellence, Monsieur le Président. Qu'il vous plaise donc, conformément à ce programme, que j'invite l'humoriste, histoire, un tout petit peu l'atmosphère,
l'humoriste Lasta pour sa prestation artistique. Bonjour, est-ce que tout le monde va bien? Mais j'ai pas entendu, on a dit l'humoriste Nassila. Donc applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Je suis très content et très honoré d'être parmi vous. Je suis très content de prester devant son excellence, monsieur le président de la transition. Je suis là pour vous faire rire. Donc, 1, 2, 3, riez. Merci beaucoup. Donc, on est à Bambetta. Le micro. Ok. Donc, on est à Bambetta. On va parler de ce qui se passe à Bambetta. On va parler 100% Guinée. Notre humour va être à 100% Guinée parce que bientôt, il va y avoir des élections qui vont être organisées. Les élections 2010 et 2015, j'étais là. Ils sont arrivés à un certain niveau quand tu étais à Bambetta. Si tu parlais pas Poula, on te chicotait. À Matoto, on faisait la même chose. Je suis arrivé à Bambetta avec mon cousin qui s'appelle Mamadi. Non, Excellence, c'est pas vous. Tout le monde connaît mon cousin, hein? C'est pas Excellence. Voilà. Je suis arrivé avec mon cousin qui s'appelle Mamadi. On est venu, on l'a garé. Les gars sont venus. Hey, oh non, il était. Ils sont venus. Moi, j'ai dit Ming, Colas. On sent l'accent, mais en rien. On peut dire ce que je suis. Je peux être Burkinabé, Sénégalais, tout ce que tu veux. Ils sont passés de l'autre côté où il y avait mon cousin. Ils ont dit ah, on y était. Il dit Mimba. Il dit eh Allah. On va mettre pause là-bas déjà. Mba, ça n'existe pas en Poulard. Et quand tu t'appelles Mamadi, si tu veux, appelle-toi Mamadi de la Villière. Ou bien Mamadi Washington. Il y a un peu de malingué en toi. Il disait on y était. Il dit Mimba. Il dit Allah. Il dit Koto. Il dit Ming. Kosé Lukonde. Le gars dit hein, enfin la foutre de là. Il dit non, hé, hey, va, autant mon aide. Il dit Ming. Kopoulo, mais bâtard quoi. Il dit hé. Tous les mois sont bons pour se sauver. Mais les élections 2020, c'était encore pire. C'était tellement mouvementé, on a interdit à des Guinéens de rentrer dans des villes guinéennes. Ok. On a interdit à Ousmane Kaba de rentrer à Sigiri, on a interdit à Selou de rentrer ni Bomboumé, ni Moudounoumabé. Voilà. Donc, arrivé à Cancan, on a dit à Selou, quand tu arrives à Cancan, dis, il faut parler aux gens de Cancan en malinké. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire parce que j'étais là. On a dit, quand tu arrives, il faut dire, nous sommes tous d'une même famille. En malinké, on dit, Ambedjamanakelende. Dalé arrive à Cancan, il dit Cancan Kalou. Les gens de Cancan disent hé, flaquez, brabrika, quand fort. Il commence à se chauffer. Alors Dalé se chauffe. Il dit Cancan Kalou. Alou. Né. Ambedjamodele. Vous voyez pourquoi Dalé, est-ce qu'on va le truquer? Vous voyez? En tout cas, merci, je suis Las. Passez une bonne journée et bonne pause de bière. Avec Las, on ne se lasse pas. Merci Lasila. Nous allons donc poursuivre cette cérémonie, cette fois-ci avec celui qui nous accueille, le maire de la commune de Ratoma. Applaudissez monsieur le maire, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées. Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rang, grade et statut, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand privilège et une immense joie
de recevoir cette importante délégation dirigée par son Excellence, Monsieur le Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Au nom du Conseil communal de Ratoma et de ses braves populations, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Nous vous disons Kotoli, Wonusene, Alunusene, Kamama, Kamama. Excellences, Monsieur le Président, la commune de Ratoma qui vous accueille aujourd'hui est une commune de plein exercice de type A. Estimé à 780 000. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est bien celui de la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto, qui est d'une très grande importance pour l'ensemble des populations guinéennes en général et celle de Ratoma en particulier. La mise en œuvre de ce gigantesque projet vient nous donner beaucoup d'espoir, car il va aplanir les difficultés de la circulation routière et réduire de façon substantielle les cas d'accidents récurrents sur cette route. Ce projet nous donne surtout l'espoir de voir nos milliers de jeunes sans emploi être les principaux bénéficiaires des emplois qui seront créés par ce projet. Monsieur le Président, nous saisissons cette opportunité pour vous remercier au nom des populations de Ratoma, car mieux vaut tard que jamais. Vous remercier du geste que vous avez posé dès l'avènement du CNRD au pouvoir, en venant vous incliner devant la mémoire des martyrs qui reposent ici au cimetière de Bambeto. Ce geste inédit est allé droit au cœur. Ratoma vous remercie surtout pour la libération, dès votre arrivée au pouvoir, des centaines de jeunes qui étaient en détention. Nous saluons toutes ces attitudes d'apaisement qui vont dans le sens des objectifs du CNRD, qui consistent à rassembler tous les Guinéens pour un développement harmonieux, durable et inclusif. Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président, au nom du Conseil communal et des braves populations de notre commune, nous nous engageons à vous accompagner, vous soutenir dans toutes vos actions d'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations de notre pays. Certes, le défi et les attentes sont graves, mais avec votre esprit d'ouverture et l'engagement des membres du gouvernement, vous parviendrez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés par la grâce de Dieu. Pour terminer, je formule les souhaits de réussite à votre personne, au CNRD et à l'ensemble du gouvernement qui vous accompagne. Que le Tout-Puissant Allah protège notre chère Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Un discours plein d'espoir de M. le maire de la commune de Ratoma, un discours qui donne donc de l'espoir à l'ensemble des braves jeunes de l'axe de la démocratie. Allocution à présent de l'entreprise Sinohydro à ce public. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les chefs et représentants des différentes institutions, tous les amédés, bonjour à tous. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le lancement des travaux du projet de construction et d'aménagement de l'échangeur du rond-point de Bambeto, y compris la transversale numéro 2 dans la ville de Conakry. Au nom de l'entrepreneur Sinohydro Corporation Limited, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur le Président de la République et à tous les invités distingués pour votre présence honorable dans cette grande cérémonie. Grâce à la confiance accordée par le gouvernement et le peuple guinéen à Sinohydro, nous avons l'honneur d'entreprendre le projet de construction et d'aménagement de l'échangeur de Bambeto, ce qui est également meilleure solution pour résoudre le problème de l'embrayage au carrefour entre la route de Prince et la transversale numéro 2 à Conakry. Nous avons une entreprise de l'entreprise de l'entreprise 道路、铁路等领域的基建项目，这些领域都关乎吉内亚民生发展。我们公司有幸参与其中。Sinohydro est une grande entreprise internationale, intégrée de toute chaîne industrielle, avec de riches expériences sur la construction de routes et de ponts. Sinohydro a commencé les activités en Guinée depuis l'année 2012. Et a réalisé successivement les travaux de construction dans presque tous les domaines d'infrastructure, tels que la centrale hydroélectrique, le poste électrique, les logements sociaux, la route, le chemin de fer, et etc. Ces secteurs surmentionnés sont liés étroitement au bien-être du peuple guinéen. Et nous sommes tellement honorés d'avoir participé à la réalisation de ces projets. Dans le Bambeto立交桥这个项目上，我们将与各相关方紧密合作，组建最强有力的实施团队，调配满足实施需求的各种资源，严格按照合同要求的标准和工期，高效完成所有工作。En ce qui concerne le projet de l'échangeur de Bambeto, nous allons bien collaborer avec les différentes parties concernées, organiser une forte équipe avec des personnels de compétences et mobiliser toutes les ressources exigées pour l'exécution des travaux de manière à réaliser ce projet efficacement en respectant les normes et le délai d'exécution des travaux conformément au contrat. 需要采取维护和保通方案，我们请几内亚政府和人民给予支持，让我们顺利完成邦贝德立交桥施工，让几内亚人民早日享受邦贝德立交桥带来的通行便利。En même temps, je tiens à vous rappeler que pour l'exécution des travaux, un plan de clôture du chantier et de déviation de la circulation est envisagé, afin que le peuple guinéen puisse profiter le plus tôt possible de la commodité apportée par l'échangeur de Bambeto. Nous espérons que le gouvernement et le peuple guinéen puissent nous accorder votre soutien constant pour nous faciliter la réussite de la construction de ce projet. 最后，祝总统阁下、各位部长阁下、各位来宾身体健康。
beaucoup. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur et Mesdames les ministres et tous les invités, nos meilleurs voeux pour votre santé, bonheur et prospérité. Je vous remercie pour votre attention. Merci donc à l'entreprise Sinohydro pour ce discours. À présent, nous invitons le représentant du Fonds Poétien pour sa prise de parole, en la personne donc du directeur général adjoint du Fonds Poétien de développement économique. Il faut rappeler dans le discours précédent qu'il a été mentionné que les travaux sur la déviation sont donc prévus, ce qui va soulager considérablement les usagers de cette voie, ce qui permettra donc une certaine fluidité de la circulation en dépit du gigantesque travail qui sera fait. Monsieur le représentant. بسم الله الرحمن الرحيم فخامة رئيس اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية قائد الأعلى للقوات المسلحة شيف دي ليتان شيف سوبريم ديز أرمي معالي الوزراء السادة الوزراء الكريم حضرات الضيوف الكرام سيدات والسادة ديستينجي ام بي تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Que la paix et le salut de Dieu soient sur vous. Avant de commencer, je remercie le gouvernement de la République de Guinée à la demande du Centre du Kuwait et de Tanmiya pour le développement du projet de Au début, j'aimerais remercier le gouvernement de la République de Guinée d'avoir invité le Fonds Poétien du développement économique arabe pour l'inauguration de ce projet de construction du rond-point de Bambito. غينيا شريك استراتيجي للصندوق حيث بلغ اجمالي مداخلاته منذ عام 1976 La République de Guinée est un partenaire stratégique pour le Fonds du développement économique arabe et depuis 1972 وحتى تاريخا حوالي 220 مليون دولار خصصت لتمويل مشاريع في البنية التحتية De 1972 dans nos jours, à peu près le Fonds Poétien a investi 220 millions de dollars pour la réalisation des infrastructures en Guinée. Dans plusieurs secteurs, mais surtout les secteurs des transports. Le Fonds Poétien du développement économique arabe a investi en Guinée à peu près 7 millions pour le développement et aussi pour la sécurité alimentaire. À peu près, les investissements du Fonds Poétien sont évalués à 74% en République de Guinée. أي حوالي 162 مليون دولار خصصت لمشاريع بناء الطرق. qui s'évalue à 160 millions de dollars qu'ils ont investi dans la construction des routes. وهذا يدل على الأولوية التي توليها الحكومة لتطوير هذا القطاع. Et cela montre l'engagement du gouvernement pour le développement de ce secteur. ومدى تجاوب الصندوق الاحتياجات الهامة لبلدكم الموقر ودعم لتنفيذ استراتيجياتكم الإقليمية. Et l'engagement du Fonds Poétien aussi pour répondre à des besoins immédiats de la République de Guinée. Le Fonds Poétien s'accentue sur la réalisation des projets de transport en Guinée. Et ce projet aussi, l'un de son résultat, c'est la construction de l'échangeur de Bambito que nous inaugurons aujourd'hui. Et aussi la construction de la route Kondibado-Guéguédou et la
réalisation de la route Borné-Chiranga. الذي قام الصندوق بتمويل دراسته والذي سوف يتم تقييمه قريبا بالتشاور مع الصناديق العربية الممولة للمشروع. Et aussi la construction du pont sous le fleuve à Cancan et dont les études ont été effectuées et financées par le Fonds Océan du Développement Économique Arabe. الإضافة لقيام الصندوق الكويتي بتمويل دراسات جدوى الاقتصادية والفنية لمشروع جسر ميلو الذي تم إنجازها مؤخرا. Et aussi et ajouter aussi la construction du pont Milo à Cancan dont l'étude est déjà financée par le Fonds Océan du Développement Économique Arabe. Comme vous le savez, les routes de Conakry sont presque impraticables. Ça c'est lié aux démographies, à la densité de la population. Et qui aboutissent à des énormes embouteillages au niveau des circulations pour la population. Et surtout dans les heures de pointe. Et ce projet que nous inaugurons aujourd'hui, l'échangeur du rond-point Bambeto, a beaucoup d'avantages. Tel que et ça renforce l'effort du gouvernement et pour diminuer l'embouteillage des populations. Donc, dans les cas, les circulations qui se passent au cours de la journée dans la ville. Et aussi faciliter la circulation libre. Et tout ceci va aboutir aussi à des résultats très concrets tels que raccourcir les temps de circulation pour les voyageurs et aussi réduire la consommation de l'essence et de carburant. Ça conduit également aussi à la protection de l'environnement par la réduction des émissions des véhicules. Et comme ça conduit aussi à la diminution de l'accident de circulation sur les routes. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, le Fonds Océan du Développement Économique est fier de soutenir la République de Guinée pour la réalisation de ses besoins économiques et aussi la réalisation de ses besoins durables pour le développement. Et le Fonds Océan aussi est prêt à fournir tous les efforts à accomplir la République de Guinée en partenariat avec le gouvernement de la République et les partenaires de développement pour la réalisation des investissements en Guinée. Permettez-moi de remercier, avant de terminer mon allocution, de remercier tous les organismes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Que Dieu vous bénisse et merci. Discours de M. Nedal Alolayan, directeur général adjoint du Fonds Coétien de Développement Économique Arabe. À présent, l'allocution de M. le ministre des Infrastructures et des Transports, M. Yaya Sow, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, ouais, feriez-vous l'effort? Bonjour. Monsieur le... Son Excellence, Monsieur le Président du CNMP, Président de la Transition, Cher l'État, Cher Suprême des Armées, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président, Bambeto vous dit bonjour. Permettez-moi de lire des extraits du discours que les organisations de la société civile voulaient vous adresser.
Donc, citation, c'est dans un contexte d'espoir et de renaissance que nous vous appelons à ce jour, solennel mercredi 13 avril 2022, restera une date historique pour les habitants de cette zone, car la construction de ce chargeur moderne contribuera non seulement à changer l'image de Bandeto, mais aussi à la fluidité de la circulation. Je continue. Ils disent également, il faut signaler que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, plusieurs efforts ont été consentis allant dans le sens de l'apaisement et de la quiétude sociale. Parmi ces efforts, nous pouvons citer le démantèlement des PA, le recueillement du paysage du CNRD au cimetière de Bandeto, la libération des jeunes détenus dans les prisons, l'installation de l'éclairage public sur la route Le Prince, pour ne citer que cela. Fin de citation. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que l'idée du projet est née du constat que tous les carrefours de la capitale constituent des lieux d'embouteillage, d'où la nécessité de la construction des échangeurs en vue de soulager les populations dans leur déplacement. La construction d'échangeurs de Bandeto s'inscrit dans la politique du gouvernement de la transition à travers la lettre de mission de mon département qui m'a été adressée par Monsieur le Premier ministre, Mohamed Béroghi, et qui illustre la volonté de changement des conditions de vie de la population à travers des projets majeurs d'utilité publique. Excellence, Monsieur le Président, les travaux pour lesquels nous procédons au lancement aujourd'hui sont financés par un prêt obtenu auprès du Fonds provincial pour le développement économique arabe d'un montant de 8 millions de dinars canadiens, équivalent à 26 240 000 dollars US. Les travaux seront réalisés par l'entreprise Sino-Hydro, qui a parlé tout à l'heure, sous le contrôle et la supervision du groupement de consultants à l'OBET, CETEM Bénin F. Les présents travaux comprennent la construction d'un échangeur à trois niveaux, à savoir un pont à deux voies, un passage souterrain à deux voies, une voie, un niveau intermédiaire à rond-point giratoire et la reconstruction en deux voies de la transversale T2 allant de l'aéroport Amir Sékou Touré au carrefour du centre éventuel de Kipé en passant par le carrefour de Bandeto sur un linéaire de 5 km. Le projet vise à répondre à la demande croissante des usagers de la route Le Prince et la transversale T2 en vue de favoriser la libre circulation des personnes et leurs biens entre l'autoroute et la corniche nord. À cet effet, j'invite les populations bénéficiaires, les usagers, les riverains, les autorités à tous les niveaux, essentiellement les jeunes, de soutenir ce projet et faciliter la réalisation des travaux par l'entreprise pour le gouvernement. Pour atteindre les effets des travaux sur la circulation, des déviations sont prévues pour toutes les voies qui convergent au carrefour de Bandeto et seront entretenues durant la construction. Je profite de l'occasion pour informer la population de Conakry et particulièrement les jeunes de la commune de Ratoma, que son Excellence Monsieur le Président de la Transition m'a instruit de procéder au bitumage de la voirie des papiers de Conakry. Vous aurez constaté que des machines sont déjà dans les quartiers et les entreprises ont commencé le travail par l'endroit. Il a instruit également mon collègue de la jeunesse et des sports de construire un terrain omnisport à Posa pour l'épanouissement de la jeunesse, couplé à un centre de formation pour l'insertion des jeunes. Soucieux des problèmes d'emploi, son Excellence Monsieur le Président m'a instruit de demander à l'entreprise adjudicatrice d'employer en priorité les jeunes de Bandeto. Pour terminer, j'adresse mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour tous les efforts déployés pour le démarrage de ces travaux et au Premier ministre pour son accompagnement et ses conseils avisés pour la réussite de ce projet. Mes remerciements vont également au Fonds commission pour le développement économique arabe et à tous nos partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur des infrastructures en République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en ce mois saint de Ramadan, je formule le vœu que le Tout-Puissant Allah vous accorde sa bénédiction et son soutien, ainsi qu'au peuple de Guinée, afin de mener à terme cette transition dont vous êtes le leader. Vive la coopération, vive son Excellence, le Président Mamadi Doumbouya, vive la Guinée, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le ministre des Infrastructures et les Transports, Monsieur Yayasso. Vous avez bien compris, beaucoup de chantiers sont en cours de réalisation. À présent, pour finir cette cérémonie en beauté, pour la confier entre les mains du Tout-Puissant Allah,
Nous allons accueillir les imams de Bambeto pour leur prière avant la cérémonie de pose de la première pierre. Para como info how to then let go the religion. Alang kol ni dewa deteng info kirai. Alang kiri. Para bol Allah balal bayi deng anti ko ang buhay ko ni minta. Maku bebendo bemaki maku di keludi maku di hituli. Enendo ko adu ti dewi de. Do en wadi dua om, ko en wetani ke kolonel Mamadi Dumbuya, presiden Transio, chef de l'état. Bihonlu, anni e mokyo, e toki tingol golle mokyo de andura na faileli. Nungi nohana, jakbede, nohana kadidu anede. Kala non golle mokyo, al toki tingol dua, dum ko sede wonde Allah tammina timina golanda e ko ti Allah wala timina e golande e no dia ko tawata e ngandi tay do ko weltani demmo ko tawti ko ko weltini do hande arbol mabbe do fukke na de golle do nyande yiwno dembe ka berde bambe do arbol duro may e ben do nde nyande kadi e weltani mo e yurmano nde nyande mo ja sabu netto. So ye inga bete o yi wali bete no andi di pelle ko be o do tambe na do no do gudi de hanki andi bete no wali do andi tay no tambe no heu tayo gam kala ju o to do berde yurme de ala berde ma kala mo yurme de woni berde mu o golle golle mo be ina andi ko wete development ko e hore kere je tati du wona bi di tati yone hore tere je tati go on lawol didi on ndiya tati on ura ko ɗi tati heɓoto si développement heɓo joni noon ko tumbindiren ɗo kon ko fii lawol lawol noon ko fii fof to wonni ɗo hande fof no welti hokkintigol ɗe golle kono ko minen bamɓe ti ɓuri weltade wona noon minen turawataga lawol ɗo kono koko amen ɗo kon o wona gollede donc hara meɗen mari geɓal nga rewo fetta jogaki bise fof on ɗo wiyatake ko nokku go woni ko ɗo woni donc hara meɗen jogui weltare ɗum hara meɗen weltani président transition hokkintigol e golle ɗo ine toro Allah subahanahu wa taala kala golle moƴƴe fewndiɗe golleje yo Allah newnuɗe gollireno moƴƴe haray duwa ko waɗeten ɗo ko koyo Allah newnuɗe ɗo golle fuɗɗe o newna kadi ɗe gasa e hoore hara accident waɗani ka golle hara goto kadi tampade e golle ɗe toro ɗen Allah yo Allah tumbindiren ɗo kadi hara ko hewtugol ɗo kadi waɗa inauguration lawol ngol joni noon haray en salmini colonel Mamadi Dumbuya e gouvernement mabɓe o fof e inde secrétariat général affaire de l'UGF hara yiɗe longtadeɓe ɗo e yammirgo koyen fof waɗeten duwa duwa noon ɓay hiɗen jikki Allah ko moƴƴo ko bellete waɗi duwa ko bellete Allah newna golle ɗen kadi ɗe nawo sarti si tawi ɗe mboodi duwani o jaabo kala noon golluɗo golle moƴƴe o duwanaga kenewo o duwanagaga kenewo ɓay koko moƴƴi ko nafata haray o duwanama saabu ko waɗo ko moƴƴi duwande waɗo ko boni huɗatake kono o duwantake kadi mono faala yo jama on duwanomo o waɗa e golle moƴƴe sifa ɗum ɗo donc en toyti Allah subahanahu wa taala yo Allah newna e waɗugol ko moƴƴi hara en toro julɓe ɓen fof waɗgol astahfirullah goto kala e meɗen laabi tati juule nuraɗo laabi tati waɗen simore fatiha nder laabi ɗiɗi isa ja nasrullahi laabi nayyi kono ɗen Allah subahanahu wa taala ko kanko woni fokkintinowo ko kanko kadi woni timminowo
are hanker go sabo wona na ben ko ba haji ga Allah fokki bin ta Allah ti bin e tor ka Allah ya fokki dinga jambo timina nan ka di jambo ke mo ine anniye astaghfirullah nabidat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذا جاء نصر الله لا بنجد jabi ko tori dembo en tori ke ma yo newna en de golle de fokkiti yo timmina en no modiri kala golle mo te fewli de golle de leedi de en tori ke Allah yo Allah newna arti be leedi de golle da de no de modiri en tori ke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wada en portal en nundal en nanondiran ta leedi me yo Allah inda en kala lura longa ga leedi wonga de loru de ha hadi leedi de developa gol en tori ke Allah yo Allah inda en gal lura yo Allah wada en fortu be fepu be ara porta ngal wana ko wadde tan e Allah en tori Allah subhanahu wa ta'ala kala projet di fuuda di din fo Allah ne wudi gase e jammo e ko ma dira bana ta gabal minna innaka antasamil alim wa tubu alaina innaka antatawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hdina lana min ladunka rasula rabbana hab lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmatur rahim اللهم تولي أمورنا بذاتك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا إلى أحد من قلبك اللهم أسل لنا سننا كله اللهم أسل لنا سننا كله اللهم أسل لنا سننا كله لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم merci aux imams de Bambeto pour ces doigts pour ces prières À présent, nous allons procéder à la cérémonie de pose de la première pierre. Mesdames et messieurs de la presse, merci de rester complètement à l'écart. Les invités sont également priés de rester sur place, selon les délégations officielles du Conseil coïncien et l'entreprise Concarton qui vont donc accompagner le chef de l'État et les membres du gouvernement pour la pose de la première pierre, présidé par le colonel Mamadi Doumbouya. Thank you.
Thank you.
Oui, oui, vas-y. Il n'y a pas de problème, tu parles. Allah, 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 Allah